Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce Dieu amour qui nous réunit en ce matin dans sa douce et sainte présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Bartimée, qui était un aveugle né et qui a pu crier à Jésus afin qu'il le guérisse. Il était loin de lui et il y avait une foule qui se bousculait, qui parlait certainement, et on pouvait ne pas entendre son cri. Mais parce que ce cri jaillissait de son cœur, qu'il est allé le chercher au fond de son être, ce cri est parvenu à celui qui entend le cri de ses enfants, Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, c'est à lui que nous voulons crier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment, mais on l'appelle l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il sait toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins. Rien ne lui est caché. Il connaît tout. Donc en ce matin, nous allons nous abandonner à lui. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Comme Bartimée l'aveugle, 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 souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Comme Bartimée, je crie à toi, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, Seigneur. Comme Bartimée, je m'abandonne à toi, Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, oh, aie pitié de moi, Seigneur. Dans ma tristesse, je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur. Dans mon angoisse,
c'est les bébés. Hey. Aie pitié de moi, Seigneur, je me sens si faible, secoué, délaissé, abandonné, Seigneur, aie pitié de moi. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi, Jésus. Je ne crois en toi, Jésus. Je ne crois pas en quelqu'un d'autre, si ce n'est toi, Jésus. C'est pourquoi en ce matin, oh, aie pitié de moi, Seigneur. Oh, Riabakante, bébé. Hey, il s'est levé pour toi ce matin. Il connaît toutes choses. Rien dans ta vie ne lui est inconnu. Abandonne-toi à Jésus. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé pour toi, mon frère, car il s'est souvenu de ta prière. Dieu s'est levé pour toi, ma sœur, car il a entendu ton cri à lui. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Et son accomplissement est arrivé en ce jour, en ce matin. Ce que tu avais longtemps crié à ton Dieu, il l'a entendu et il l'exauce selon sa sainte volonté. Notre Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit certainement. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a plus à douter, car notre Dieu a déjà accompli son plan de gloire dans ta vie. Et son accomplissement est arrivé. Pour toi, mon frère, ma sœur, et là-bas, quand oui, son accomplissement est arrivé. C'est pourquoi nous allons lui dire merci, Seigneur. Tout est accompli. Tout est accompli. Demeure dans cette espérance en notre Seigneur qui est fidèle. Garde jalousement cette atmosphère où tu as crié à lui et il t'a répondu. Et reste calme. Garde confiance en Jésus. Il ne déçoit pas. Merci Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié en ton nom en ce matin. Toi qui es le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit Saint, pour les siècles sans fin.